Salut à tous, c'est Pixie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un challenge dessin qui vient de la chaîne de Sleeper, qui sera en description, bien évidemment. Il s'agit de dessiner avec ma main droite, parce que tout simplement, je suis gauchère. Alors, il y a des préjugés qui disent que les gauchers ne savent pas bien dessiner ni écrire. Ça, c'est tout simplement faux. Si vous êtes gaucher, vous pouvez très bien dessiner. Donc voilà, c'est parti. Donc, pour ce challenge, j'ai dessiné une petite fille qui tenait un ballon dans ses mains. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être parce que je trouve ça trop mignon. Alors, avec la main gauche, ce dessin m'a pris environ même pas 15 minutes. Et oui, je dessine assez vite, surtout avec la main gauche. Mais avec la main droite, c'était un véritable calvaire. C'était pas possible de dessiner aussi vite. On va désormais passer à la main droite. Alors, il faut savoir que je tiens mon crayon d'une façon très bizarre. Du coup, beaucoup de gens me le disent. Alors, la main droite, ça va être encore pire. J'approuve totalement ce que Sleeper a dit. Quand j'ai dessiné avec ma main droite, j'avais l'impression de retourner à la maternelle avec les licornes et tous les trucs. Et que je réapprenais à dessiner toutes les formes du visage du manga. Parce que j'essayais de m'appliquer. Ah, et aussi, les traits prennent énormément de temps à se former. C'est super dur de faire des traits un par un. Moi, je les fais mini-trait par mini-trait pour faire des... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Maintenant, nous avons le plus intéressant. Nous pouvons comparer les deux dessins. On peut voir que, notamment, le dessin de droite est beaucoup moins précis, beaucoup moins défini. Car avec ma main droite, je n'arrive pas à tracer des traits vraiment droits. Ça fait des sortes de zigzags vraiment pas beaux à voir. Et également que la tête de droite est plus petite que celle de gauche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye !